Là, il faut avoir une bonne dose de motivation pour venir ici, là, en plein soleil. Là, il est 18h25. Il fait quand même 34 degrés. Ah oui, c'est ça le sud-ouest de France. Voilà, comme vous voyez, voilà l'heure et là, la température. Ah oui, là, c'est du très chaud. Hein. Là, il fait chaud. C'est les Québécois qui seraient pas heureux là ici là. Ah, c'était une petite plaisanterie en passant. Bonjour, alors nouvelle voiture, nouvelle installation Sibi. Et c'est pas parce que c'est une voiture neuve qu'on ne peut pas installer la Sibi dedans. Voilà. Donc voilà, on voit l'antenne que j'ai mis au milieu du toit en perçage. Alors, ça c'est le plan B, on va dire. Le plan A, je voulais mettre l'antenne sur le bord du capot. Mais bon, des fois, faut savoir écouter ceux qui savent. Un radio amateur m'a expliqué que virtuellement, ça serait comme si on coupait l'antenne en deux. Ok, pas de problème, je le crois. Donc, vu que moi, mon utilisation de la Sibi, c'est plutôt Sibi loisir. Alors, je l'ai aussitôt mis au centre du toit pour avoir le meilleur rayonnement possible. Les plus courageux, les plus intelligents auraient dégrafé, déclipsé le plafond. Je fais pas partie de cette catégorie-là. Hachi. Alors, par contre, moi, ce que j'ai fait, une trappe, là, au plafond. Là, on voit là, la gueule, la découpe faite au cutter, et la trappe est retenue par l'éclairage, par le plafonnier. Donc, aucun risque que ça s'ouvre. Bon, derrière, on trouve quoi? Eh bien, la prise de l'antenne avec le branchement du câble qui s'en va tout du long, qui longe ici, qui redescend. Là, j'ai sorti le joint, je l'ai fait courir là, carrément là, derrière. Et si on le voit, ici. Voilà. Voilà, donc ça gêne pas pour les pieds. Et puis en dessous, et on y va. On y va, voilà. Le trou de câble, je ne l'ai pas enroulé, je l'ai mis en 8. Voilà, pour pas créer de phénomène de champ magnétique à ce niveau-là. Et le poste. Donc. Bon, là, on trouve l'autosmètre de brancher pour l'occasion, car j'ai pas encore fait de test. Donc, j'ai mon câble. Alors, certains m'ont dit qu'il paraissait petit. Bon, ben, c'est quand même du 4 carrés. Là, c'est, je dirais que c'est quand même déjà pas mal. Le poste, par précaution, j'ai quand même branché à la terre. Alors, je dis par précaution, c'est pour protéger à la fois le poste des parasites, et puis en même temps l'électronique de la voiture aussi, hein, également des parasites. Voilà, vu qu'aujourd'hui, c'est plus des ordinateurs roulants qu'on a qu'autre chose. Alors, donc, la fixation, voilà, qu'on voit bien. Alors, vu la forme un peu en S de la console, bon, j'ai mis une cale en bois là d'un côté pour récupérer l'écart. Voilà. Et pour l'autre côté, ben, j'ai mis dérivé avec une plaque de métal de glisser derrière, car bon, ben, c'est quand même du plastique. Hein. Donc, il ne s'agit pas d'abîmer quoi que ce soit. Et puis, il faut penser aussi le jour où je revendrai la voiture, pouvoir reboucher ça correctement de façon que ça soit propre. Alors, toujours dans ce même objectif, l'accroche micro, eh bien, je l'ai mis sur un cache trou là de boutons. Voilà, j'ai un emplacement qui est non utilisé, j'ai un cache qui est à la place, et j'ai vissé directement dessus. Voilà, comme ça, le jour où, eh bien, j'ai juste à changer le cache, et puis c'est tout, et là, il n'y a aucun trou qui reste. Oui, bah oui, tiens, là aussi le poste, et bien là où il est maintenant, bah, c'est le plan B, car le plan A, c'était bah, ici. Mais un Superstar 3009, c'est un petit peu costaud pour rentrer là, ici. C'est un 9009, par contre, oui, si je me trompe pas, le 9009, oui, lui, il rentre. Parce que bon, c'est quand même assez profond. Il y a de la place quand même. Hein. Et par le fond, je suis persuadé qu'on peut faire une ouverture pour glisser après tous les câbles par derrière et les récupérer après par en dessous. Hein. Donc là, moi du coup à la place, eh bien, j'ai mis le haut-parleur extérieur.
que j'ai vissé dans la jointure. Comme ça, ça restera propre au démontage. Et je sais pas si là on va voir, mais de toute façon, il y a des photos sur internet. Le câble d'alimentation 12 volts, il passe là derrière les pédales sous le tapis pour aller est-ce que je vais y arriver? Je vais peut-être ouvrir un peu la portière. Voilà. Ça va me donner un peu plus de lumière. Oh, le voilà, le câble gris. Voilà, le câble gris qu'on voit, il passe par le passe-câble que l'on voit là au fond. Là. Voilà. Donc, alors je joue un peu les acrobates. On ouvre le capot. Parce que là aussi, j'ai essayé de faire les choses à peu près correctement. Pour une fois, ça change. voilà. T'as, c'est magique. C'est pas beau la technique, ça s'ouvre tout seul. Eh ben oui, le sifflement qu'on entend, eh ben c'est l'ordinateur. Peut-être que j'ai laissé le contact allumé aussi. Ça, c'est pas utile. Tac, voilà. Ça bouge de partout là-dedans. Tac, eh ben voilà, c'est l'ordinateur s'est éteint. Donc, le câble que j'ai montré à l'intérieur... Eh bien, on le voit ressortir de ce côté-ci, là, sous le... Voilà, ça y est, ça m'a mis un peu plus de lumière. On le voit ressortir là, ici. On suit son chemin entre l'ordinateur et la boîte à air pour remonter ici. Alors, certains auraient mis la masse du poste au plus près. J'avais pas envie de déshabiller la voiture pour trouver un point de masse. Donc, je suis venu chercher la masse directement là, ici, là. Voilà. Donc, la masse, pour moi, là, du coup, j'ai vu que j'avais un emplacement de libre, est indépendante des autres masses. Voilà, donc, alors, par contre, moi, ce qui m'a surpris sur ma nouvelle voiture, c'est un Dacia Duster. Voilà, donc, flambant neuf. Voilà, putain, je commence à avoir mal où je suis, moi. le truc qui m'a surpris dessus, c'est que sur la batterie, eh bien, il y a plusieurs bornes de branchement. Là, bon, on en voit deux. Bon, je peux en rajouter un troisième, c'est pas un problème. Pour le moins, eh bien, pareil. Là, on en voit trois. Il y a juste à se brancher dessus. C'est du bien pensé, là. Ouais, là, ils ont bien pensé le truc. Moi, pour mes branchements, eh bien, ok, j'ai mis ça sur cosse, mais les cosses sont soudées. Hein. Voilà, au moins comme ça, je suis tranquille sur du long terme. Ça peut attraper la merde, de toute façon, c'est soudé, ça bougera pas. Le poste par lui-même bien est protégé, il a son propre fusible. Mais j'ai quand même rajouté, et je bafouille, j'ai quand même rajouté un filtre, n'importe quoi, un fusible, mais un costaud pour protéger la batterie. Bon, j'ai mis un costaud comme ça à ce point parce que, comme on a pu le voir sur le côté du poste, j'ai d'autres possibilités de branchement là sur mon câble là, que j'ai tiré là dans la voiture. Ce qui me permet par la même occasion de brancher ma station pour l'expédition exactement de la même façon que j'avais fait dans mon précédent véhicule, là, le monospace vert qu'on voit sur d'autres vidéos. Voilà, donc comme ça, avec ce fusible mis ici en place, la batterie est protégée si toutefois il y a un court-circuit sur le câble. Car ça, on n'est jamais à l'abri. Alors, je vois pas là ce que je peux dire de plus de ce côté-là. Ah oui, tiens, j'aurais mis l'antenne au niveau du capot. Alors le truc que j'avais prévu, c'est pour protéger le câble de la chaleur de tout, de passer le câble dans un flexible, dans un tuyau de douche. Ouais, ça peut paraître amusant, mais en attendant, là-dedans, le câble aurait été bien protégé. Et ça, depuis l'endroit là où il serait ressorti, pourrait se brancher sur l'antenne jusqu'au passe-câble qui est en bas. Voilà comment j'aurais protégé mon câble côté capot. Alors, eh bien, je crois qu'il est temps de passer au test. Alors,
Donc, d'abord, avant de faire un test, on va regarder un petit peu. Alors moi, je suis pas habitué, moi, à avoir le poste comme ça en travers. Dans mon ancien véhicule, j'avais l'avantage d'avoir une console ronde devant où j'avais la place pour mettre le poste comme ça là en vertical. Là, je me le retrouve sur le côté. C'est vrai que bon, il y a un petit coup à prendre. Ah oui, par la même occasion, je vois qu'il va falloir que je change ma prise micro pour en mettre une coulée. Parce que là, au bout d'un moment, ça va peut-être pas le faire. Donc, voyons un petit peu ce que ça donne au niveau tos. Alors, je me mets sur réglage tosmètre. Donc, les deux tosmètres ensemble. Vu qu'il y a une longueur de câble en plus, normalement, il y a une différence. Ça, c'est normal. De toute façon, lui, le tosmètre, il sera sorti, je veux dire, après, une fois le contrôle fait, si tout est bon. Eh bien, on passe au test. Qu'est-ce qu'on attend, là? Non, pas sur le 19. Voilà. Ah oui. Petite précision. Bon, on va pas se voiler la face, hein. Aujourd'hui, pas mal de postes en plus que 40 canaux, hein. Donc, pour commencer, oui, pour les 40 canaux. Pour ceux qui n'ont que 40 canaux, si on parle chiffre, le milieu des 40 canaux, évidemment, c'est le 1. Mais si on regarde une table de fréquence, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a 5 endroits où il y a des canaux bis. Alors, il y a le 3 alpha, le 5 alpha, le 11 alpha, le 15 alpha et le 19 alpha. Alors tout ça, ça prend de la place en plus là sur la table de fréquence, sur l'étalage des fréquences. Et du coup, eh bien, si le milieu des 40 canaux c'est le 20, le milieu de la plage de fréquence, en réalité, ça ramène plus vers le 18. Donc voilà, pour un petit poste qui a que 40 canaux, eh bien en fin de compte, hein, pour avoir un meilleur étalement, un meilleur réglage de l'antenne, eh bien le point central, il faudrait plus aller le chercher là. Mais là, on s'en fout, on a beaucoup plus. Alors moi pour ma part, je suis aussi bien en AM sur les 40 canaux normaux qu'en BLU sur les canaux supérieurs, principalement en USB. Donc voilà, oui, je passe en FM pour ne pas avoir de déviation de l'aiguille, hein, de l'AM. Je repasse en normal et on va voir l'aiguille bouger. Ok, voilà, on voit l'aiguille sauter. Voilà, donc là c'est pas possible de... Eh ben, tiens, même sur le tosmètre, on voit l'aiguille bouger. Non mais vous inquiétez pas, là je suis en position réglage d'antenne là, sur le tosmètre. Donc c'est un petit peu normal. Alors, donc... Voilà, alors j'ai deux mains. On va coincer ça entre les genoux. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais moi? Voilà. Alors, que je règle d'abord. Voilà, là, ici. Je suis bon. Là, là-bas. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Putain, je mérite qu'on me foute une tape sur les mains. Voilà, on passe en FM. On coupe le son. Voilà, comme ça, ça bouge plus. Donc là, ok, je l'étalonne comme il faut là. En bas, petite rectification. Ok, voilà, c'est bon. Je bascule position tosmètre. Contrôle de tos, je veux dire. Voilà. Donc là, en bas, eh bien, pour mon point central à moi, eh bien, c'est bon. Au niveau du poste, eh bien, c'est beaucoup moins bon. Eh oui, il y a la longueur de câble qui est là en plus. Voilà, mais ça, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, donc comme j'ai tout à l'heure, moi j'utilise à peu près environ 80 canaux, comme la plupart des gens d'ailleurs. Hein. Donc les 40 canaux normaux, les 40 canaux supérieurs. Voilà, je vais y arriver.
ce qui veut dire que ben, je vais plus chercher mon point central sur le 31. Je pourrais prendre le 40 par exemple, mais je trouve que quand on est en AM, donc en porteuse fixe, le poste a tendance à chauffer davantage qu'en BLU. Alors pour compenser, pour avoir un bon compromis, eh bien, je vais chercher mon réglage d'antenne sur le 30, 30 point central, qui nous amène, eh bien, voilà, que j'y voyais un peu, ça y est, qui nous amène, donc là, ici, on a contrôlé, je relâche, je vais faire un petit tour en inférieur, alors à chaque fois, on contrôle l'étalonnage, on revient en position tosmètre, là aussi, voilà, ah, là, voilà, on voit pas, je corrige un petit peu, je rebascule, voilà, j'ai un petit peu de tos, c'est pas bien méchant, on est sur les 40 canaux, sur le 30 inférieur, j'y vais jamais, donc je relâche, maintenant le 30 supérieur, voilà, je passe en émission, petit contrôle, et bien là ça bouge toujours pas, ici j'imagine que, et bien voilà, ça a bougé, ok, je rebascule sur REF pour voir, et bien j'ai quoi, j'ai, allez, 1,2 et demi. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Maintenant, on est sur le 30 supérieur. En général, c'est rare quand on monte si haut. Mais bon, avec 1,2 et demi, il n'y a pas de quoi fouetter un chat non plus. Hein. C'est bon quand même. Il n'y a que vraiment si je veux utiliser un ampli, bon ben là je brancherai le matcheur là que j'ai chez moi là de que je branche que je brancherai dessus pour corriger ça d'un coup de cuillère à peau. Et puis voilà. Donc je reviens en normaux, sur les 40 canaux normaux. On va se faire un petit test. J'écoute un petit peu avant pour voir s'il n'y a pas de QSO. Ça va pas nous gêner, c'est pas un problème. Donc voilà, je passe aux essais. Alors, ok, voilà, je voyais pas l'aiguille monter. Donc, bien, nouvelle installation CB dans le push. Ok, ça c'est pour voir ce que ça donne. Test du micro. Il va falloir que je change la PL du micro pour mettre une PL coudée à la place, car là le câble, le fil à force, là, il risque de se couper là comme ça, étant donné que le poste est posé sur le côté de la voiture. Ok, essai, et 1, 2, 1, 1, 1, 2, ok, ça marche. Bon, voyons un petit peu si c'est pas trop, si l'écho là qu'il y a avec le micro n'est pas trop fort. Bon ben voilà, ça marche bien tout ça. Comme quoi, on n'est jamais si bien servi par soi-même. Ok. Eh bien, quoi dire de plus? Ben je vois pas. Il me reste plus qu'à moduler. Tiens, voyons un petit peu. Eh bien, si la propagation en AM, ou plutôt ce 40 canaux, elle est là. Là. Ça n'a pas l'air d'être top. Le canal des Québécois. Eh ben oui, dommage. La propague de leur côté, c'est fini. Oula, c'est quoi ça? Ce qui était avant la fréquence d'appel. Ouais, on entend un peu de monde derrière. Ça a l'air d'être du côté Espagne, Portugal, par là peut-être. Bon ben c'est pas grave. Voilà,
Eh bien, ben, il ne me reste plus que à rouler, à moduler, à en profiter un maximum. Et puis voilà. Donc, si ça peut vous donner des idées, eh bien pourquoi pas que cette vidéo vous serve. Voilà, les bases de 1351 vous tous de la part de Dandy 33, 14 Oscar Delta Romeo 002. Et à bientôt sur les ondes.